Bonsoir à tous, c'est Fifoux pour le 42e épisode de Planète Minecraft 1.2.5. Alors, version 2, parce que j'ai rajouté des mods, donc il va y avoir un tuto que je vais faire pour installer les nouveaux mods. Voilà. Et utiliser en même temps Multi-MC, donc je le ferai après cette vidéo-là. Voilà, je me suis fait un petit basement sous la raffinerie. Donc on voit le niveau de pétrole. J'ai mis des balanced pipe pour que tout soit réparti dans tous les réservoirs. Alors je l'ai automatisé parce que c'était hyper chiant à faire. Alors tout est automatisé maintenant. Voilà, j'ai plus qu'à demander des balanced pipe et ils arrivent. Et puis voilà, la raffinerie fonctionne. Lentement, mais sûrement. On pourra en mettre une deuxième. Enfin bon, c'est pas la peine d'user des ressources. Parce que ça commence à laguer par moment. Donc pas la peine d'en faire trop non plus. Ah, il manque une dalle. Voilà. Tout simple, tout bête. Hein, exactement à l'image des. Avec un puits de descente, pareil. À l'image de l'autre, en face. On le voit pas dans le fond. Et je fais ça parce que quand on est en bas, on voit plus rien et dans le noir. Déjà, rien que d'être loin des murs, hop, ça disparaît. C'est marrant cet effet de brouillard d'ailleurs. Donc là, moi, il y a des torches partout. On voit à peu près correctement. À peu près. Voilà. Alors en haut, j'ai pas avancé des masses. Alors je suis allé chercher plein de pétrole. J'en ai profité pour explorer les environs. J'ai exploré tout le grand désert qu'il y avait à l'est. J'ai eu que des petites nappes de pétrole, pas grand-chose. Alors, mais bon, je les ai déplacées une par une. Je suis même tombé sur une mine abandonnée qu'on pourra peut-être aller explorer plus tard. J'ai mis des barrières ici, voilà. Rien de plus. Alors, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est un petit peu d'électronique pour la laiterie. Il faut qu'elle fabrique plus de pétrole. Parce que certes, je l'avais un petit peu optimisé, mais je l'ai pas du tout. J'ai pas fait de l'électronique. Alors déjà, il faudrait faire des pâtures Red Power pour que chaque filter aille dans la bonne treilleuse et que chaque retriever retrieve de la bonne treilleuse. Alors on va se faire des peintures. Au hasard, bleu, blanc, rouge, il en faut 3. Ici, pour extraire les seaux de pétrole, je le fais avec ça. C'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait peut-être le faire avec des tuyaux Billcraft, de manière à mettre une guette quand le seau est plein, quand le coffre est plein, plutôt que de perdre des IMC. Parce que là, il fabrique du pétrole sur les IMC uniquement, puisqu'il y a un collecteur sous le coffre. Bon, c'est pour tricher un peu, parce qu'avec le lait, on fait pas assez. Donc, il faudra peut-être éloigner ça, je le ferai hors caméra. Et j'ai mis des collecteurs aussi sous les chests qui fabriquent les seaux. Et il faudra faire un système pour lui dire quand le coffre est plein. Ils vont tous se remplir à la même vitesse normalement, donc il suffit d'en mettre un sur un détecteur. Donc quand le coffre est plein, tu envoies un signal. Ce signal, on l'enverra à un pulse former de Red Power qui enverra une pulse à une autre puce dont j'ai oublié le nom, mais qui a un timer à l'intérieur et qui enverra un signal pendant un certain nombre de secondes. Il suffira de mettre un autre timer, comme ça on pourra envoyer. Il y a 9 seaux, la treilleuse peut contenir 9 seaux. Donc si on met un timer pendant à une seconde, 9 fois, il va donc tirer 9 seaux et les mettre dans le biniou là-haut, dans la traîneuse. Ensuite, on dira à cette puce dont j'ai oublié le nom là, de travailler pendant 9 secondes et demie ou 9 secondes 2, je sais pas comment ça peut se régler, on verra. Et elle passera le signal au suivant qui ira envoyer 9 pulses pour traire les
vaches et obtenir 9 seaux de lait. Et ensuite, elle passera le signal à un autre circuit qui, lui, donc 9 fois aussi, ira chercher des seaux de lait. Voilà. Et un autre, voilà. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, déjà, on va se faire de la peinture. Je sais pas si j'ai été très clair dans mes explications, mais puisqu'on va le faire en même temps, ça devrait éclairer la situation. Bien, alors déjà, pour faire les pots de peinture, il nous faut un pot de peinture vide, et pour ça, ça se fait avec un alliage de fer et d'étain. Il en faut deux pots, deux fers pour un étain, normalement, et ça nous donne 4 tin plates. Donc, il en faut encore 4 pour faire un pot de peinture. On va faire 3 couleurs, donc il nous faudra 3 pots de peinture. 3... Combien il en faut donc encore... J'arrive plus à compter, je suis trop fatigué. C'est pas grave. Voilà, on va y aller comme ça. Voilà, on devra en avoir assez. Normalement. Table de crafting. Allez, on va prendre celle-là. Normalement, un pot de peinture. Voilà, c'est comme ça. Alors, 1, 2, 3. Ensuite, il nous faut des flaxides. Ça, c'est les graines et les plantes curieuses que rajoute Red Power et qui font des grandes plantes de haut, là, et qui font des toiles d'araignée et des flaxides. Ces fameuses graines. Et puis il faut des colorants, donc on va prendre des colorants rouges, des colorants blancs, donc du bone meal, et bleu, du lapis-lazuli. On pourrait prendre l'indigo, je crois que ça fait exactement la même couleur, ça coûte moins cher. C'est les fleurs, l'indigo ça se fait avec les fleurs de Red Power qu'on trouve un peu partout. Donc normalement, le pot de peinture. Alors on va déjà en faire un rouge et deux graines. Ça nous fait un pot de peinture rouge. Du blanc et deux graines. Ça nous fait un pot de peinture blanche. Et avec du cyan, un pot de peinture bleue. Reste à se fabriquer trois pinceaux. Parce qu'on ne peut pas nettoyer les pinceaux pour s'en servir dans une autre couleur. Donc le mieux c'est d'avoir trois pinceaux, donc trois laines, je crois qu'il y en a de la blanche. Mais on peut prendre n'importe quelle couleur de laine en fait. Avec quoi? J'ai oublié. Non, c'est le filet à papillon. Voilà, avec des sticks, bah oui, un manche en bois. Logique. Les pinceaux ont un manche en bois, si si. Le grand bricoleur que je suis peut vous le dire. D'ailleurs, quand je bricole, je peins, les pinceaux sont toujours foutus après. Si si. Comme dans Minecraft, pareil. Alors, on va faire trois pinceaux. Ah, sur le côté. D'accord. Et ensuite, si on prend un pinceau rouge dans un pot rouge, on obtient un pinceau peinture lurée en rouge. On use un peu notre pot de peinture, mais on ne l'use pas complètement. On pourra s'en servir quasiment indéfiniment. Tac. Un pinceau blanc. Et un pinceau bleu. Voilà. Maintenant, on va aller peindre nos tuyaux. Alors, on va dire que ce qui sort de là va là-dedans. Ah oui, non, c'est pas possible ça. Il faut aller colorer là-haut. Comment on enlève la peinture? Bon, on casse le tuyau, je crois bien. No choice. Est-ce que ça va marcher comme ça d'ailleurs? Ah oui, parce qu'ils vont plus mélanger. C'est normal. Donc il va falloir passer sur le côté ou au-dessus. Alors j'avais dans le sac bleu
C'est bien les animaux, mais ça fait un boucan quand même. Est-ce qu'on peut pas passer? Comme ça. Toc, toc, toc. Donc là-haut, on va les peindre. Alors les meumeux. Où es-tu, Pi? Alors bleu. Tic, tic. Blanc. Et rouge. Cocorico. Voilà. Donc, quand ça se mettra en route, il y aura un saut pour chaque truc. Normalement. Difficile à voir. Ouais, 1, 2, 3. J'ai réussi à compter. Mais ça marche comme ça. Et lui, on va lui faire exactement la même chose. On va faire pareil. Allez, on va mettre dans le même sens. Toc. Et on va passer comme ça. Les bleus vont aller dans les bleus et les rouges dans les rouges. Comme ça, il va bien récolter à chaque fois. Tout va dans le rouge. Super. Ça marche pas du tout comme je voulais. Non, ça marche pas du tout comme je voulais. J'ai vu des centaines de vidéos sur internet qui marchaient comme ça, mais moi je le fais, ça marche pas. Ce qui sort du blanc devrait aller dans le blanc. Ah mais je suis un abruti. Oh là, je suis fatigué ce soir. J'aurais mieux fait de pas faire de vidéo. C'est ici qu'on fait la couleur. Et non pas sur la sortie du tuyau. Ah. Bon, je corrige ça. Et voilà, ça fonctionne. C'est dans la machine. Pour le rétriveur. Ah oui, il colore derrière, ce qui n'a aucun intérêt. Ça marche pour lui, mais pas pour lui. Lui, il colore derrière. Et tout passe dans le rouge. Réfléchissons. Je crois que de faire un tri n'a aucune importance parce que quand ils sont les uns à côté des autres, ils rétrivent bien les sauts 3 par 3. Donc il les prend forcément dans les 3 déployeurs à la fois. Donc ça a de l'importance pour lui. Mais visiblement, ça n'en a pas pour lui. Ça va dans le premier parce que c'est le plus près, je crois. Donc les couleurs là-dedans, on s'en fout. On peut les enlever. Des fois, c'est un peu mystérieux quand même. Hein. Pas autant que Tomcraft, mais presque. Bon. Pour ça, ça fonctionne. Ils arrivent bien 3 par 3. C'est ok. Et lui, il en fabrique plus que jamais. Et les sauts vides doivent repartir, normalement. Que dalle. Pourquoi il n'extrait pas les sauts de... Il fonctionne pas, lui. Il fonctionne plus. Il fonctionnait très bien, il fonctionne plus. Si, ça y est. Bon. Oh, il y a un saut de lait là-dedans. Oups.
qu'est-ce que c'est encore cette arnaque? Il va falloir vraiment que je mette autre chose que des tubes Red Power là. Parce qu'il me prend des seaux de lait là, évidemment, ça marche pas. Voilà, ça marche. Faut pas que ça coince. Bon, je vais corriger ça. Voilà, j'ai reculé le biniou. Et là, on va passer en Buildcraft Pipe. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. On va lui mettre une guette. Mais par contre, ça risque d'allumer le signal Red Power. Faudra faire attention. On va lui dire, si le chest est plein, tu m'extrais les trucs. Pas tarder à être plein. Inventory full. MR resto de signal. Ça fera sortir les items. Et j'ai oublié de faire un truc quand même. En dessous. Le pétrole qui va sortir. Ça sort par en dessous, c'est très bien. Ça marche. Et qu'on envoie donc vers Oil Tank. Avec une petite guette. If liquid in inventory. Liquid in tank, voilà. Émet un resto de signal et ça ouvre le tuyau. Parfait. On va pouvoir passer au circuit électronique un peu plus avancé. Ça c'est la treilleuse. Lui pour qu'il fonctionne. Faudrait lui mettre un timer à lui, de manière à ce que lui, quand il émet un signal de redstone, il déclenche un timer qui déclenche celui-là. Ouais. J'ai un timer dans ma besace. Alors, ça je sais pas. Ah oui, il faut un autre get aussi. Et je crois que j'en ai une. J'en ai une. Ouais. Alors, comment je peux faire? Il n'y aura pas la place. La note guette. Elle est dans ce sens-là. Si, on peut la tourner. Donc, si elle reçoit un signal, elle empêchera le timer de fonctionner. Non, tant qu'il ne reçoit pas de signal, le timer ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Parfait. Ce que j'espère, c'est que là... Est-ce qu'il ne faut pas mettre... Non, je pense pas. Ça doit fonctionner comme ça. Voilà. Parfait. Il n'y a plus qu'à couvrir un peu. Parce qu'on va certainement faire passer des signaux par-dessus. Oh, il est trouvé celui-là. Ouais, je m'en étais servi pour autre chose. Bon, voilà. On va faire les machines. Trois circuits. Alors, la première chose qu'il faut, c'est le Pulse Former. Donc, anode, cathode, un croisillon d'anode cathode et wire. Qu'est-ce que j'ai en stock déjà ? J'ai rien. Donc tout doit se trouver sur le réseau. Il n'y a pas là-dedans non plus. Non plus. Anode, cathode, wire et wafer. Trois anodes. Normalement on a tout fait. Anode. 3. Cathode. 3. 2 wire. Et deux wafers.
Ouf. Hop. Parfait. Voilà pour le Pulse Former. Est-ce que je vais m'en souvenir? Non, il n'en fallait qu'un. C'était comme ça. Toc, toc, toc. Ou le contraire. Le contraire, donc. Forcément. Non, c'est pas ça du tout. Ah, c'est les deux. D'accord. Il y avait un piège. Je rêve. Qu'est-ce qui est différent? Oh, c'est pas vrai. Alors pourquoi ça marche pas? Ah, je sais. Ça, c'est pas un wafer du tout. En plus, Miro. Ah, fallait pas l'enlever. Oh, bon, je le refais. Ce coup-ci, ça y est, et je l'enlève pas. Ah, il faut le laisser dedans pour que la recette soit dedans. Évidemment, il n'y a plus de crafting pipe. C'était trop facile. Mais ça... Ça va, c'est pas dur. Je préfère les automatiser, les trucs Red Power, parce que si on s'en sert une fois, on va avoir envie de s'en servir une deuxième fois. Et comme c'est super chiant, il vaut mieux que ce soit automatique. Allez, ça c'était pour le Pulse Former. Ok. Et maintenant, il me faudrait le... Je crois que c'est le State Cell. Qui a un petit timer dedans. Voilà, ça va être ça. Oh, lui, il est plus compliqué. 3 wafers, 2 wires. Ah, silicone chip. Ça y est, il y a un truc nouveau. Aïe, 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 aïe. Ça, il faut les fabriquer ça là-bas. Bon, on va déjà faire les autres. Pointer, un pointer, une cathode, une anode, deux wires. Un, deux wires, une anode, une cathode et un pointer. Doudoudoudou. 1, 1, et la suite. Ah, voilà la torche pour le pointer. Et voilà le dernier. C'est quand même trop joli quand ça se fait. Donc, c'était quoi déjà? Allez, 3, 2. Il n'y a plus de wafer. Wafer, wafer. Ouh, wafer. Wafer, wafer. Tac, tac. Wafer. Wire. Pointer et cathode. Ça va être par là. Ah, dans l'autre sens. Voilà, et le petit machin en haut. Et on va aller se faire avec 3 wafers. Et du blue, du doped, je sais plus comment il appelle ça. Les boules rouges. Allez, on va retourner à la cuisine. Alors, des boules. Silicone. C'est silicone wafer. Et de la redstone. Ça tombe bien, on en a. Allez, une bouboule. Il en faut plus.
Et voilà. Parfait. Tang tang tang. On peut pas optimiser. Il faut vraiment que j'arrive à automatiser les Red Alert Furnace. Ça serait super. Faut que je fasse des tests. J'ai pas eu le temps. C'est que c'est long ce jeu, hein. C'est des trucs qu'il faut prévoir sur des semaines. Hein. Alors, le machin qui nous manquait. En voilà un. Voilà. State sale. Crafting pipe. Ah mais on peut pas l'automatiser du coup. À cause de ça. Bon, je vais mettre les autres en stock. Éventuellement je les ferai à la main. Voilà. Donc on va demander... Alors on va le mettre disponible sur le réseau. Vite fait. Où est le dernier coffre? Ici. Ouais. Silicon chip. Ah, il n'y a plus de place dans le coffre à pit. Voilà, c'est éteint. On économise un peu de ressources. Très bien. Alors, on va commander. J'ai donc besoin d'un pulse former. Ah oui, mais il va falloir 3 des stone pointers. Faut que je fasse plus de trucs. Alors, le pulse former, il m'en faut 1. Il va falloir encore... j'ai pris un timer, j'en ai plus que 2, donc encore un autre. Des notes get. Elles sont où? Je les ai pas programmées? Je n'ai pas fait les notes get. Mais si, je les avais fait en plus. Elles étaient sur le côté, je les voyais même pas. Ici. Voilà, on va juste faire plus de silicone wafer. Juste le temps de cuire 2 boules rouges de plus pour pouvoir tout de suite fabriquer 2 pointers. De silicone chip plutôt. On va les envoyer tout de suite se promener disponible sur le réseau pour commander nos 3 state sales. Ta-da-da. Lui, il va voir. Tac. Hop, et à votre trier à vitesse grand V. Et maintenant, je devrais pouvoir demander des state cells. Voilà. Il y en a un qui n'est pas arrivé. Le temps qu'il arrive dans le coffre et qu'il soit disponible, refresh. Voilà. On a tout qu'est-ce qu'il faut. Il manquera donc. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a plus besoin. Il nous faudra du Red Alloy. Il nous faudra Cobble Structure. Les voilà. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Une guette. Une guette. Il n'y en a plus. On va juste faire une guette alors. À moins qu'il en reste là-dedans. Et non, il n'en reste pas. Et voilà. Nous avons notre guette. On peut les faire mumuse. Alors mon idée était de détecter quand le coffre est plein. D'envoyer. Ok, c'est connaître. Parce que c'est un tuyau. Oh, c'est marrant, je ne savais pas qu'ils se connectaient entre eux. Ça, non, c'est drôle. Buildcraft et Red Power se connectent. Enfin. Donc lui, if inventory full, voilà. Full. Et mais... Ah zut, il faut des enfers. Oh, c'est pas vrai, quoi.
Mais j'ai pas de tête ce soir, c'est infernal. Et en plus, en fer, j'en ai dans mon sac. C'était pas la peine d'aller faire des guettes et tout. Bon, allez. Hop, les wires de tuyaux, hop, ils sont là. Alors ça, je voudrais l'amener quelque part. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Pour séparer les trois fils, parce que l'idée, ça va être le pulse former qui va attaquer les trois state sails. Alors, où ça serait le plus logique de les mettre? Peut-être là. 1, 2, 3. Alors, pulse former. J'en ai fait deux du coup. Il y en avait celui que j'avais pris par erreur. J'espère que ça a marché comme je veux. Si je prends un levier. Lui, il faut peut-être le réorienter vers l'avant. J'espère que c'est bien les state sails. Voilà. Le signal a duré par défaut. Toc. Toc. Donc lui, on veut qu'il déclenche celui-là pendant 9 secondes et des brouettes. secondes 200 par exemple. Donc quand il recevra, il va tourner pendant 9 secondes avant de passer à son voisin qui devra tourner aussi pendant 9 secondes et des brouettes. Voilà. Qui devra à son tour tourner pendant 9 secondes et des brouettes. Et éventuellement passer au dernier. Donc à la place de l'interrupteur, il nous faut cette bestiole. Ici, une guette aussi. Des wires de structure pipe, là. Les fils de structure pipe à faire passer jusqu'à là. Donc, lui, la règle, c'est si l'inventaire et full, tu envoies un plus. Il est full l'inventaire? Ah bah oui. Ah bah il est là le truc que je cherchais partout. J'étais obligé de tricher pour me le redonner. Je comprenais pas où il était passé. Comment il est venu là? Je l'avais pas refait, hein. Je l'avais pris en... J'étais passé en mode triche. Voilà, donc quand il est plein, t'envoies un signal. Hop, il envoie le signal. Ça déclenche ça pendant 9 secondes. Donc là, on va mettre un not get. Une, deux, trois. Ah, mais il faut pas qu'ils discutent entre eux. Alors, on va le décaler. Lui. Toc. C'est une not get, ça? Et on va utiliser les petits strips pour séparer tout le monde. Stone cover strip. Parfait. On va en mettre un là. Un là. Comme ça, les wires vont pas toucher les trucs. Tac. Pareil ici. Puisque lui va déclencher ça. J'ai oublié les timers quand même. Un détail. Timer, on va le mettre là. Toc.
ici un strip et un autre là avec un timer là pour aller traire les vaches. Alors les timers, on va les régler à 1 seconde, donc 9 fois pendant 9 secondes ça fera 9 fois. Et celui-là, on va mettre le timer. Je sais pas comment. Comme... On peut le mettre comme ça. Voilà. Bon. Je sais pas si tout le monde a suivi. Les state sales. Alors elles sont toutes réglées bien ou pas? 9 secondes 2. 9 secondes 2. 9 secondes 2. Tous les timers sur 1 seconde. Donc là, les nodegate les arrêtent. Jusqu'à ce qu'elles reçoivent un signal pendant 9 secondes qui fait tourner le timer. Bon. Je ne sais pas si c'est très joli comme ça, mais ça doit le faire. Alors le coffre n'est-il pas plein? On va attendre qu'il soit plein. Et on va compter combien de fois le timer tourne. Bah, ça... Voilà, ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, hop, ça s'est arrêté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le bon décompte et ça me paraît un peu rapide. Il y a des sauts qui sont revenus. Parce que là-haut, il devait y avoir des sauts dans les deployers. Tout juste. Alors, on va les enlever. Ah, j'ai plus de place. Faut que je range des trucs. Donc on va doubler, on va mettre les timers sur 2 secondes. On veut 9 coups, donc 9 et 9, 18. Lui on va mettre 19. Voilà, vite. C'est déjà démarré. Voilà, la chaîne devrait être un peu plus longue. Ah, mais ils commencent tout de suite. Il faut que ce soit un peu plus lent parce qu'ils sont pas encore arrivés, qu'il a déjà démarré à commencer à traire. Donc lui, il faut qu'il soit à 5 secondes de plus. On va dire 25 secondes. Et lui, on va les mettre en fait... 20 secondes. Hein? Pourquoi il repart lui? J'ai vu un saut repartir, mais ça c'est un bug, c'est pas possible. Pas été pris.
Il y a 9 sauts, donc 9 fois trait. Hein. Mais là, ça marche pas comme je veux. Ou alors, il faut qu'il y ait qu'un retriever, un seul. Et qu'il fasse 3 fois 9, 18. 18 coups. Mais beaucoup plus vite. Pourquoi ils repartent déjà? Il n'est pas resté sur 19 secondes, lui. Faut peut-être qu'il n'y ait qu'un seul retriever. Alors maintenant, tout semble fonctionner. J'ai dû faire un système pour évacuer le bucket vide. Donc, 6 items à l'inventory, il tourne comme ça. J'ai réglé un peu les vitesses. J'avais oublié un cover ici, enfin un strip pour empêcher le signal. J'avais une espèce de retour qui se faisait, qui était désagréable. Qui me relançait un coup d'horloge ici. Et ça a l'air de le faire à peu près. Par contre là j'ai un signal et il se passe rien. Ça se bloque un peu par moment, je sais pas pourquoi. Sinon ça fonctionne. Toutes les 2 secondes pour extraire les 3 sauts. Ensuite, la treilleuse. 9 fois, donc. Elle envoie directement aux 3 déployeurs, à travers les jacketed wire qui sont là. Hein. Et j'ai pas précisé pour tout le monde, mais ça, c'est les jacketed wire. Et lui, il va chercher les sauts de lait à toute vitesse, toutes les demi-secondes. Il envoie ça là-dedans. Et lui, dès qu'il est plein... Alors, et des fois, lui, il s'arrête de condenser. Du coup, les sauts, ils repartent. Mais il y a un buffer, donc ils reviennent. Donc, il n'y a pas de souci. Et quand il est plein, bah, ça déclenche celui-là. Tac. Qui vient de se déclencher à l'instant et qui extrait le saut. Voilà. Donc, ça fonctionne. Maintenant, il me faudrait un système pour l'arrêter quand je veux pas qu'il marche. Alors là, c'est des or-gate. Donc on peut mettre une autre condition. On pourrait mettre une end-gate ici. Avec un interrupteur et dire stop. Arrête-toi. Ne traite plus de vache. Celui-là, on peut le laisser en place pour qu'il vide le coffre au fur et à mesure. Et la treilleuse, il faudrait qu'on puisse l'arrêter, c'est tout. Voilà. Pour que la end-gate ou la or-gate fonctionne, en fait, il suffit de mettre la même condition ici. C'est-à-dire que si je mets une end-gate avec une condition red pipe signal, il faut que les deux soient OK pour que le red pipe signal s'allume. C'est tout. Pour le E. Donc c'est de la logique basique. Voilà pour cette chose-là. Et ben, ce soir, je suis un peu fatigué. Je suis très brouillon dans mes explications et dans mes réflexions. Alors on va s'arrêter là. Comme d'habitude, abonnez-vous pour avoir la suite. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la prochaine. Au revoir.